J'essaie d'être un cadre, d'aider les jeunes, parce qu'on a quand même un groupe très, très jeune cette année. Beaucoup, beaucoup de 97, des 98 même. Donc voilà, donc il faut des mecs qui les encadrent. Et voilà, c'est ce que j'essaie de prendre mon rôle de capitaine à cœur, me battre jusqu'à la dernière minute. Et après on verra. Va falloir faire plusieurs prises, je pense. Je suis arrivé au gym, j'étais tout petit. J'ai commencé dès l'école de foot. Puis après, j'ai continué dans les catégories au-dessus et je suis rentré au centre cette année. Bah, c'est mon premier club, j'ai toujours joué au gym, donc toujours supporté cette équipe aussi. Donc c'est important quoi, dans ma vie, le gym. Donc, voilà. Je ne me vois pas supporter un autre club que le mien, quoi, qui fait partie de ma vie depuis que j'ai 5 ans. C'est pour moi une grande fierté de porter le maillot rouge et noir et j'essaye de tout donner pour ce club pour qu'après on puisse voir ce club grandir et au fil des années au plus haut niveau. Mes exemples, j'aimerais bien vous dire Essérik, mais j'ai pas son talent. Donc je vais vous parler plus des Renato, des mecs comme Neymar, Renato qui sont des vrais défenseurs qui voilà avec beaucoup beaucoup d'envie, beaucoup de combativité, de solidarité. Et mon poste d'Igar, parce que c'est un 6 qui joue bien et tout, et c'est un capitaine, c'est un leader, et voilà. Et après équipement pro, un peu tout le monde, parce que voilà quoi, c'est tous des professionnels sympas et avec nous et tout, et c'est des exemples pour nous jeunes. Qualité, c'est que ça a bien réagi, puisqu'on a mal démarré, on était quand même dernier au bout de 3 journées de championnat, et là on est second, donc il y a eu quand même une réaction, même si le championnat c'est pas, on cherche pas que ça non plus, mais bon, ça montre quand même qu'il y a eu des réactions au niveau du jeu et au niveau au moins des points. Après, qualité, ben, ils sont encore un peu jeunes, hein, c'est encore une équipe, c'est encore des gars jeunes, qui sont encore bien mûrs, qui savent pas vraiment se comporter comme des professionnels à tous les moments. Donc c'est ce qu'on leur apprend, hein, on est là pour ça. Et défaut, ben, c'est le défaut aussi, enfin la défaut c'est ça, la qualité c'est aussi leur jeunesse, donc en fait ils sont pleins de vie, ils ont envie, ils se battent, ils s'arrachent, c'est intéressant. Ben, l'objectif principal c'est de former des joueurs pour arriver en pro, mais ça c'est l'objectif lointain, puisque moi je suis la première étape de la formation avec les 17 ans. L'objectif déjà c'est de former des joueurs qui soient capables de rentrer dans la philosophie de jeu, qu'ils ont déjà travaillé en préfo, puisque quand même la préfo travaille très bien, il n'y a pas de souci. Donc ils arrivent déjà avec une bonne base, et nous on pousse cette base pour la mener à ce que ces joueurs-là rentrent en 19, en CFA, de façon sans être en difficulté au niveau de la philosophie de notre jeu. Et puis essayer d'être meilleur second, pourquoi pas, et aller jouer les phases finales. Ça sera encore l'année dernière, on y avait été avec les 17 ans. Ça serait sympa d'y retourner en phase finale parce que ça vaut toujours le coup de faire ces matchs de haut niveau contre des équipes, peut-être contre le PSG comme l'année dernière ou d'autres équipes, Lyon, j'en passe. Hein. Donc peut-être ça sera, on peut le faire en étant meilleur second. Premier, ça sera difficile, c'est fini. Ben, génération 96, la décrire c'est facile, entre guillemets c'est facile parce que c'est une génération qui a beaucoup beaucoup gagné dans le club. Déjà la génération du club, que ce soit en tout petit jusqu'en 17 ans. Et puis dans cette génération, il y a Mopé. Donc, déjà, ça montre toute cette qualité de génération. Il y en a d'autres aussi. Hein. Il y en a qui ont joué en CFA régulièrement, comme Franck Honora, comme bon, Albert aussi, qui a même été en pro. Et des joueurs qui ont joué en 19, qui sont entraînés en 19 toute l'année, comme Anko Mzali, comme
Hachim Alimbaé, il y a maintenant même le gardien Anthony Mandrea qui est rentré, donc ça fait déjà quand même 6 joueurs qui jouent 96, qui jouent au-dessus. Donc déjà, c'est une génération 96, obligatoirement, c'est une génération de qualité, déjà rien que par ces 6 joueurs. 97, ben, il y a déjà un joueur qui a été sélectionné cette année, hein, c'est Anthony Ranieri, donc ça fait déjà un joueur qui avance vite. Les autres, il faut qu'ils montrent, hein, mais ça commence à venir. Il y en a qui sont installés dans l'équipe en étant première année, c'est bien. Hein. Brian Guillon, Sofiane Anares, Romain Catenacci qui est régulièrement aussi, Robin Bardi qui malheureusement s'est blessé, s'est fait mal au dos. Donc ça, c'est des joueurs qui sont régulièrement dans l'équipe. Même maintenant, Alan Ingles qui arrive, on avait beaucoup d'espoir sur lui, puis doucement il arrive. Et puis voilà, donc cette génération 97, il faut qu'elle se montre. Et sachant que derrière, les 88 arrivent pour la saison prochaine, avec aussi de la qualité, des joueurs qui arrivent aussi avec de la qualité de l'extérieur.